Salut à tous. On se retrouve pour une petite après-midi détection. Donc aujourd'hui, je suis allé me promener en allant chercher le pain. Je suis tombé sur un ancien de la région qui s'appelle André. D'ailleurs, je tiens à le remercier et, pour l'autorisation qu'il m'a donnée pour le champ de cet après-midi. Donc c'est pas la petite parcelle qu'il y a derrière. Hein. C'est un très grand champ qu'il y a là-bas, je vous le montrerai après. Et donc on a discuté un petit moment de tout et de rien et je lui ai un peu expliqué en quoi consistait la détection et il m'a bien gentiment donné l'autorisation de faire ça cet après-midi. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur une action cam que j'avais commandée. Donc du coup je vous la ferai pas parce que j'ai reçu le colis et c'était une catastrophe. Il y avait un petit micro extérieur qui permettait de capter le son et à chaque fois qu'on mettait le jack, ça coupait la vidéo, donc c'était une catastrophe. C'est un produit ni que je vous conseillerais ni que je vous conseillerais pas, mais c'est un produit clairement que j'ai retourné et je pense que je m'orienterai plutôt sur un stabilisateur de téléphone, voir ce que ça donne. Il y en a des pas trop mal avec des petits trépieds et puis on verra ce que ça donne ensemble. Là-dessus, je vais vous montrer le champ et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on a un petit bout de parcelle qui vient d'être labourée, juste derrière la ferme. Et là, ils ont passé le disque. Je vais poser le détecteur. Voilà, la parcelle est là. C'est une parcelle qui est énorme. Donc je ne sais pas combien d'hectares il y a, mais il y a pas mal. Et du coup, ben voilà, donc j'ai eu l'autorisation pour ce petit champ. Donc moi, je fonctionne à l'opportunité. Hein. Je ne vais pas repérer des endroits bien spécifiques ni stratégiques. Je me promène et puis dès que je vois quelqu'un, je lui demande l'autorisation. On lui explique un petit peu en quoi consiste la détection. Et puis voilà, ça se fait ou ça se fait pas. Bon, ben, les amis, je vous dis à tout de suite. Et puis j'espère qu'on va trouver des petites choses. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve. Juste là, le petit trou ici, ça se trouve ici. Découverte, vous voyez, je suis au bord, juste au bord de la route, dans ce grand champ immense. Et là, dans un petit trou, c'est sorti ici. Une belle tranche verte. Là. Les amis, eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends pour des nouvelles découvertes. Ciao. Allez, on se tente en live, les amis. Je vais essayer.
Ça va pas être facile avec le téléphone. Mais on a peur de rien. C'est sorti. Allez, c'est parti. Bon, belle journée, hein. Beau soleil. Ça fait plaisir. Alors, c'est là-dedans. Je vais rapprocher ça là. Ah, c'est là. Oh là 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 là, j'adore. Ça, j'adore. Oh, bon. Vous avez compris, hein? Une bonne douille. Puis, elle a bien mangé, celle-là. Hein? Elle est bien grassouillette. Bon, ben, je vous fais une photo à la fin et on essaiera de déterminer ce que c'est. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve. Alors, petit trou là. J'ai enlevé pas mal de merde. Hein. Donc, petit trou ici. Et c'est sorti ici. Là. Je vous montre. Là, vous voyez. C'est une monnaie. Mais dans le même état. Dans le même état que celle de tout à l'heure. Donc, bon ben voilà. Mais ça fait plaisir. Je vais pas la frotter, je vais la laisser comme ça. Je la nettoierai. Pareil, je vous mets une petite photo à la fin. Allez, je reprends les copains. Alors là, j'ai un son à 80 clair. Fort. Ici. Ici. Alors, comment vais-je faire? Je vais remettre mon petit gant. Voilà. Je gratouille un petit peu, mais je pense que ça suffira pas. Alors, je vais mettre un petit coup de pelle. En espérant que je ne vais pas l'abîmer. Selon ce que c'est. Oula, c'est pas beau. Ça sent le déchet. Voilà, c'est ça aussi la prospection. Faut pas croire que on trouve 99% de la prospection, c'est ça. C'est de la dépollution. Donc à bon entendeur. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Allez, on se retrouve. Un petit son à 78 fixe. Alors on va voir, mais ça veut rien dire. Ça peut être un déchet, hein. Encore là. Vu la profondeur, j'ai peur que ce soit une merde.
Ah. Alors. Alors. Ça donne quoi? La portron, ça devrait être bon là. Ah! Regardez! Au cul de la pelle! Regardez là! Voyez là! Juste à l'emplacement de la pelle! Oh là là! Bien abîmé! Bon, on va pas s'attarder, hein! On fera un petit coup de nettoyage. Allez, je reprends. Donc, trou ici. Un bon trou de 20 cm à peu près. Et c'est sorti là, apparemment. Hop là. Bon, bah voilà. Un petit déchet. Allez, on s'attarde pas, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai creusé ici. Et c'est sorti ici. Voilà. Donc, petite monnaie. Ça fait bien plaisir. Ça fait toujours plaisir. Toujours une petite émotion, hein, en se disant que... À l'époque, ils le tenaient dans leur poche, ils l'ont perdu et que ça laisse un peu libre cours à beaucoup d'imagination. C'est ça qui me plaît avant tout dans la détection. Voilà, donc petite pièce, petite monnaie, bien abîmée, à nettoyer délicatement à la maison, mais je pense que vu l'état, c'est cuit. Voilà les amis, je vous reprends. Allez, topette. Allez, je vous reprends. J'ai un bon petit son qui claque. À 75. Je suis désolé s'il y a un peu de... Le son est un peu brouillé, il y a du vent. Alors... Allez, qu'est-ce qu'il y a de beau? Bon, je vais y aller au pint. Alors, hop là. Oh. C'est une merdouille. Bague en or. Bon, à tout à l'heure les copains, je vous reprends, ciao. Allez, on se tente un petit live. J'ai un petit son fixe. Ici. C'est sorti là.
Ah, c'est là. Regardez. Là, vous voyez. Je sais pas si c'est une monnaie. Ah non, c'est pas une monnaie, c'est un tout petit bouton. Regardez. Avec son attache. Ah, oh, je trouve ça hallucinant. Bon. Vous êtes au milieu de nulle part. Et puis avec votre détecteur, ça bip. Et puis vous trouvez les témoignages du passé comme ça. Je trouve ça magnifique. Allez les copains, je vous reprends. Allez, je vous reprends. Pour un son vraiment, vraiment, mais alors très mauvais. Et pourtant juste en surface, hein, pas très profond. Alors du coup, c'est sorti ici. Là, je vous montre. Ici. Là. C'est pas une monnaie, je pense pas. Ah, je sais ce que c'est. C'est une médaille religieuse. Alors, ces médailles-là, on en trouve beaucoup dans les champs. En fait, j'ai été faire des recherches et ils disent que ces médailles-là, en fait, c'est les paysans qui les mettaient dans le temps. Dans le temps, ou peut-être encore maintenant, ça se fait. Pour préserver des mauvais sorts et puis pour qu'il y ait une récolte abondante. Voilà. Superbe. Superbe découverte. Bon bah écoutez, je vous ferai un petit nettoyage de ça et je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Allez, de retour avec un bon son bien fixe. Ah, 85. Allez, c'est parti. Normalement, c'est un bon indice. Mais ça veut rien dire. On va voir ce qui nous attend. C'est encore dedans. Allez. Hop là. Allez, c'est sorti. C'est sorti. Ça a quand même changé pas mal de son quand j'ai creusé. Donc, alors. Ah, c'est encore dedans. Ah bah non, c'est là. Bon bah, je vois ce que c'est. Quand je vous ferai le récapitulatif à la maison, quand j'aurai tout nettoyé pour vous prendre les photos, je vous montrerai. J'en ai encore trouvé un tout petit bout là. J'en ai trouvé un petit bout hier. Et en fait, j'en retrouve un bout ici. En fait, c'est, vous savez ce que c'est? C'est les plaques. Les plaques, quand les paysans ils présentent leurs bestiaux en fait dans les foires ou les trucs comme ça, ils sont primés et quand ils sont primés, ils leur remettent ces plaques-là. Donc, c'est pas très très vieux, je pense pas, parce que ça se fait encore. Mais voilà, je vais essayer de vous le faire voir. Hop là, désolé, hein. J'ai pas envie de vous faire vomir, mais je fais comme je peux. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a un P et un R. La plaque, elle est en dessous, la peinture, elle est rouge. Le petit bout que j'ai trouvé tout à l'heure, il est rouge aussi. Et celui qui est à la maison, il est rouge aussi. Donc voilà. Belle découverte. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je reprends. J'ai eu un son un peu litigieux. Donc du coup, j'ai creusé. Bon, c'est une monnaie, mais je voulais absolument vous montrer. Parce que regardez, elle est là. Et regardez dans quel état elle est.
elle est complètement retournée. Complètement enroulée. Et j'ai regardé, c'est bien une monnaie. Donc voilà, la pauvre, celle-ci, je pense que c'est cuit, cuit, cuit. Vous avez vu? Incroyable. Bon, allez, je vous reprends. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve. Petit son, petit trou ici, pardon. Et ça se trouve. Ça se trouve par là. Là. En dessous, là. Ici. Voilà, petite monnaie. Mais bien fatigué. Voilà. Et bon, on se retrouve tout à l'heure. Tchou. Allez, je vous reprends. Un autre petit son, pas très très joli. Un petit trou là. Et c'est sorti ici. C'est dommage, hein. J'ai fait pas mal de monnaie aujourd'hui. C'est vraiment un endroit où il y a dû avoir de l'activité, mais ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'elles sont toutes dans le même état, elles sont bien abîmées. Donc ça, c'est dû à l'acidité de la terre et puis aussi à l'engrais, hein, qui rajoute dans les champs de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, ça augmente la teneur en acidité et ça bouffe complètement toutes les monnaies. Voilà, belle petite trouvaille. Module assez fin. Format DT, hein, normal. Comme toutes les autres. Voilà. Et ben on se retrouve s'il y a du nouveau. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour un nouveau son. Donc j'ai creusé et j'ai commencé à... Ça sonnait comme un ferreux, mais apparemment, regardez. Ça a l'air d'être joliment décoré. Je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Je sais pas. On verra ça après le nettoyage à la maison. En tout cas, ça a l'air d'être très joli avec des très beaux motifs. Je pense à un bout de boucle, mais non, je pense pas. Vu la forme, je pense pas. Biseauté comme ça en haut. Regardez, c'est magnifique. Oh là là, je préfère autant des objets comme ça que des monnaies, moi. Parce que les objets, ça parle. Et puis c'est toujours décoré avec... Voilà. Superbe. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour le dernier petit direct parce que j'ai plus de batterie. Donc là, j'ai un son clair et fort. À 89. Allez, c'est parti. Alors normalement c'est par là. Bah, celle-là. Et c'est une merdouille je crois. Mais je crois que c'est en cuivre ou en bronze. Parce que c'est ouvert.
a pas d'inscription dessus, je crois pas. Je vais regarder ça vite fait. Non, je crois pas. Bon, bah les copains et les copines, je vous dis à bientôt. Rendez-vous à la maison pour le nettoyage et puis un peu le bilan de la journée. Donc c'était une journée pas trop mal, hein. Vraiment avec vraiment beaucoup, pas mal de découvertes. Par contre, seul point un peu négatif, c'est que bah, les monnaies sont toutes rincées, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc je voulais vous dire aussi, hein, une petite précision sur toutes les sorties que je fais en détection. Moi personnellement, sur la discrimination des métaux, je n'en mets pas. Alors pourquoi? Parce que ben en fait je ramasse tout ce qui est métallique et qui est à portée de mon détecteur et que je peux ramasser, je le ramasse. Parce que pour moi ce serait un péché de faire une sortie et de avec la discrimination de ne pas récupérer des objets qui seraient censés être sous mes pieds et à côté desquels je passe. Donc du coup je mets la discrimination à zéro, c'est-à-dire que tous les sons je les creuse. Et donc voilà, c'est fastidieux, c'est chiant, je sais bien. C'est hyper crevant parce que ben je creuse à tous les trous et je creuse plus de. J'épuise mon énergie à ramasser des objets comme ça. Mais bon, après c'est un choix. Donc voilà, je vous dis rendez-vous à la maison. Et puis, ben, merci d'avoir visionné cette petite vidéo. À tout à l'heure.